Il y a de la propague. Il y a les départements français qui passent. Bon, d'accord, faut que je bascule là pour ne plus les entendre. Avant la vidéo, j'étais de ce côté-ci, j'entendais le nord de France, le sud de France. Ça passe très fort. Ah d'accord, Paris. Qu'est-ce que je fais? Bon, là, il est temps de prendre le micro. Attention, les maths, là, dessus. Et 73-51, les stations en fréquence de Dundee 33 sur le département de la Gironde. Et la Gironde est sur la station dans les Ardennes, le 08, les Ardennes, les bottes 73-51 retournées. Voilà, de la part de Dundee 33 du côté de Saint-Émilion. Donc du nord est la France, le département limite. Ouais, ok, les Ardennes, oui, le département 02, les 73-51 de Dundee 33, voilà, de la côté de Saint-Émilion. Avec moi pour ça, Dundee, ouais, bah, je vois de temps en temps tes vidéos sur YouTube et tout ça, alors voilà. Ok Philippe, ben justement je suis en train d'en faire une. Quand j'ai vu là tout à l'heure, là il y a déjà 20 minutes, un quart d'heure que la propague tournait sur le département français, pour le coup j'ai tout lâché de ce que j'étais en train de faire, là pour me mettre à la station. Ah, ça fait plaisir d'entendre un petit peu là, que la propague tourne un petit peu là sur la France et non plus sur les pays étrangers. Ah chi. Mais bon, tout à l'heure il y avait quand même l'Italie, l'Espagne, c'était surtout sur l'Europe. Puis paf, d'un seul coup là les départements français. Ouais, tu m'as dit, bah, puis là ça passe super bien. Là je te prends un signal de neuf et une très pareil. Bonne radio. Je sais pas si t'en as un petit peu vis à vis derrière. Enfin, moi j'en ai un petit peu derrière là. Et puis voilà, pour y avoir quand même, retour micro. Ah ben j'ai... Attends que je rende un truc. Attends deux secondes. J'ai le même signal hein, de mon côté. Hein. C'est... Attends. Ouais voilà. J'ai un bon signal de neuf aussi. Hein. C'est pareil. Ça passe tout aussi fort. C'est le 7009 avec le micro vérifieur. Et puis j'ai le KLV 700 qui est derrière à la première position. Et l'antenne c'est le diamètre. Ok d'accord, je croyais que tu étais en train de rouler vu que là ça bougeait pas mal. Il y a la propague là qui est en train de faire mumuse, là qui est en train de faire des vagues. Mais bon, ça passe quand même. De mon côté, à cause des QRM, j'ai un petit peu lâché le 7009 pour être plus sur le Yasu FT450 qui est quand même mieux filtré. Hachi, et côté antenne, eh bien c'est là, j'allais dire la Wilson 5000, n'importe quoi, je suis en fixe aujourd'hui. C'est la manteau va vite, voilà, j'y arrive. Voilà.
sans problème. On va laisser 10h36 parce qu'il y a du monde qui essaie de taper derrière. Ok Rémi, bah, j'appellerai la vidéo si tu la mets sur le YouTube, on verra bien si j'arrive à la trouver. Oui, bah, de toute façon, elle sera partagée partout, hein, y a pas de problème. Hein. Elle sera en premier, oui, sur YouTube, puis après, partage sur les différents endroits où je suis. Y a pas de problème, tu verras que là, il y a une bonne radio de 5, hein, ça passe vraiment bien. Ok, je vais voir s'il y a d'autres stations derrière qui passent, sinon j'irai me balader un petit peu, là, j'irai à la chasse au département français, que ce soit en AM comme en BLU, on verra bien. Merci pour ce petit QSO, les 73 à toi, content de t'avoir eu en fréquence, à plus. Ça arrive de partout. Alors, il y a eu plusieurs stations qui se sont signalées en même temps. Les 73-51 à vous, voilà, de la part de Dindy 33, du côté de Saint-Émilion, le département de la Gironde. Cambrai. Ok, le département 02, ok, QTH de Cambrai, les 913-51 à vous, de la part de Dindy 33, voilà, sur le sud-ouest de France. Sur modulation qu'il y a, surtout là j'ai, par moment j'ai des montées de signal là qui me passent par-dessus tout le monde. Tiens, tout à l'heure j'ai entendu une YL, ça a été un petit peu le bouton déclencheur en même temps. J'entendais l'YL répondre, HI trois coups, répondre à plusieurs personnes comme quoi ça passait bien et tout ça. Oh, je me suis là, la propague est sur le département français, vite. Oui, le nord de la France. Mais tiens, ça tombe bien justement là d'un message là sur le forum, la planète Sibi francophone. Je disais que vu la mentalité qu'il y a là au niveau des stations de mon côté, j'aurais bien envie de déménager sur le nord de France. Eh bien, par les ondes, mon vœu s'est exaucé aujourd'hui. C'est super ça. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau de la propague, ça tourne, ça vire. Je vois le signal monter. Par contre, il n'y a pas vraiment de cacophonie, mais je vois le signal monter, faire des vagues, ceci, cela. Bon, allez, je vais me balader un petit peu. Je vais bien voir un peu plus loin ce qu'il y a, parce que là, la minute même, la seconde même sur le 19, là, c'est pas forcément évident. Enfin bon, je reviens de suite. Je jette un petit coup d'œil ailleurs, voir un petit peu. Je reviens. Oh putain, j'ai pas eu le temps de partir, que j'ai entendu un appel. Les 73-51, la station de la part de Dindy 33 sur le département de Gironde, à côté de Saint-Émilion. Ah, c'est compliqué là pour sortir quelqu'un là. C'est assez compliqué de mon côté. C'est pas que ce soit la cacophonie, mais j'ai la propague là qui fait des vagues et tout ça. C'est bizarre. C'est bizarre au niveau signal ce que ça fait. Enfin bon, bref. Je reviens. Je vais faire un petit tour. Je reviens. Si c'est comme ça ici, j'imagine que là. Ah ben zut alors! Je m'attendais à entendre les Italiens arriver plein pot là. Oh.
CQDX, appel de 14 km 3301 qui lance appel et qui propose un QSY sur le 27625. 27625. Oui, la Belgique, les 73-51 à vous, le 14 km 3301, Rémi, sur le sud-ouest de France, à côté de Saint-Émilion. Poste cacophonie, il y a la Belgique là qui arrive de tous les côtés, là, tous les coins de la Belgique. Hachi, il y a une espèce de cacophonie là ici, au secours. La Belgique, la Belgique. Bon, j'ai dans l'idée que tout le monde ne s'entend pas forcément. Ok, bon, je retourne sur la fréquence d'appel, je me choisirai une autre fréquence de QSY parce que là, c'est un petit peu la cacophonie, là. Oui, tout à fait, ça fait un direct, là. Je suis pas croyable ici sur la Belgique et ben, je sais pas si je réponds. Bon, final 15, allez, Charles Garonne pour le 02. La fréquence est déjà à moins que c'est peut-être des kilomètres. Break pour 14 kilomètres 3301. CQDX, appel de 14 km 3301 qui lance appel et qui vous propose un QSY sur le 27 485. Le 27 485. CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi qui lance appel depuis le sud-ouest de France, département de la Gironde. Voilà, je ne sais pas combien il y a eu de stations en même temps. Oui, le nord au nord-est France. Oui, la Belgique. Plus une autre station derrière. Les bonnes 73-51. Les bonnes 73 à vous. De 14 km 3301. Rémi. QRZ local sur le sud-ouest France d'Andy 33. Voilà, actuellement là au QRA. Et de mon côté, pour les conditions de trafic, eh bien, c'est le petit Yazu FT450AT avec comme antenne la Sigma Montoma 8
Et côté météo, ben pour nous ici, c'est un grand beau soleil. Ouais, René, est-ce que tu reçois l'opérateur Maxime sur la liaison de la station René Belgique? Je prends le micro, bien le bonjour la Belgique. Ah, ici, c'est l'opérateur Thierry, la ville de Waterloo, la ville de Waterloo. Oui, c'est un grand ciel bleu également, un grand ciel bleu, une vingtaine de degrés. Voilà, René, si tu es à la Belgique, ou le micro retour. Alors, Maxime, la Belgique, alors pour le prénom de l'OM, c'est pas René, mais c'est Rémi, Romeo, Echo, Mike, Yankee, Rémi. Pour le coup, je sais pas à qui retourner le micro. Il y a Maxime que j'étais bien entendu, mais qui a été vite marché dessus par la Belgique, hachi trois coups, à croire qu'aujourd'hui la Belgique, ils sont plus forts. Alors, petit retour sur Maxime, là, du nord de France, nord-est de France, qui passe moins fort. Oui, merci Denis, je reprends ici 14, Papa Alpha Tango 827, hein, opérateur Maxime, sur la ville de Maubeuge, 73-51, Denis de la Gironde, hein, ça fait plaisir de t'entendre. Hein. Écoute, à double mix, ici aussi un soleil avec une température de plus ou moins 20 degrés. Hein. Voilà, QSL Denis, retour à toi. Ok, non, c'est pas Denis, c'est Rémi. Romeo, Echo, Mike, Yankee. Ok, Maxime. Alors, de mon côté, là, c'est un bon report de neuf. Hein. Alors, en disant que vous passez moins fort que la Belgique, alors je vous laisse imaginer comment la Belgique arrive comme un boulet de canon. Hein. C'est là, aujourd'hui, ça arrive d'un coup. Hein. Là, tout à l'heure, là, à 14h35, paf, d'un seul coup, j'entends les départements français. J'ai fait un tour sur le 19. Eh bien, c'est pareil de ce côté-ci. Les départements français passent également, puisque j'ai entendu une YL, tout ça, là, j'ai entendu également le nord de France, du côté de Calais, je crois, ou je sais plus, j'ai entendu des stations aussi de ce côté-là, comme quoi, ben, en AM, ben, ça passe tout aussi bien aussi. Retour, Maxime. Ok, Rémi, bien reçu. Bah, écoute, moi aussi, bah, je viens d'arriver sur le temps et j'ai vu qu'il y avait de la propagation. Hein. Ça fait plaisir d'entendre la Gironde hein, du côté de Bordeaux. Bah, j'ai déjà été, c'est magnifique. Hein, tu reviendras si c'est bien ça, Rémi. Donc voilà, bah, oui. Écoute, moi, conditions de travail actuellement, Yazoo ST DX1200. Donc là, je t'envoie plus ou moins 80 watts. Hein. Donc ici, vous voyez, les antennes, c'est une GP27, hein, une GP27 5/8 environ à 10 mètres de hauteur. Hein. Voilà, Rémi. QSL, retour à toi, la Gironde pour le nord de la France. Et écoute, voilà, bah, actuellement, sinon, bah, moi je suis en congé paternité, je profite de mon enfant, mais je dis, oh, je vais descendre un petit peu pour voir s'il y a des amis sur la fréquence. Voilà, retour à toi, Rémi. Ok, merci pour le retour. Ben, tu as bien raison de venir faire un petit tour sur la fréquence parce que là, en plus de ça, là, tout à l'heure, là, il y a 35 minutes, hein, il y avait encore l'Italie, tous ces coins-là là, qui passaient et je n'entendais pas un seul département français. Et puis là, paf, 14h35 pile. Pouf, c'est arrivé là de mon côté, et puis là ça n'a pas arrêté là. C'est nickel. Alors j'étais occupé de mon côté là sur le PC, là sur internet. Hein, peut-être j'ai tout lâché pour prendre le micro. Je me suis dit là il faut là. Pour une fois que je comprends quelque chose en fréquence, si j'attrape pas l'occasion là de suite, je l'attraperai jamais l'occasion. Ah si trois coups, retour. Oui, enregistrer la Belgique. France, parce que c'est vrai que, bon, c'est pas que j'aime pas parler à des étrangers, mais parler la langue française, c'est toujours mieux, Rémi. Hein. Donc voilà, quoi. Bah, tu me diras tes conditions de travail. Non, tu m'arrives à 59+10. Hein, 59+10. Hein. Mon QTH actuel est à Jeumont. Donc Juliette Echo, Uniforme Mike, Oscar November Tango. Hein, donc Jeumont. Je suis à, allez, à 500 mètres de la Belgique. À 500 mètres de la Belgique. Donc je suis vraiment proche de la Belgique. Voilà Rémi, donc écoute, ça passe bien, c'est le principal, j'espère que la propagation va durer. Voilà, tu le feras au cœur de ton côté. Retour à toi Rémi. Ok, oui, enregistré la Belgique. Les conditions de trafic, là, de mon côté, c'est un Yazoo FT450AT avec comme antenne une Sigma Manto A8, voilà, qui est à 9 mètres de haut. Voilà, là, pour les conditions de trafic, là, de mon côté. Il y a eu la Belgique, enfin pour le QTH, je te le donnais plus précisément, je suis sur Sainte-Colombe. Alors c'est à 12 km à l'est de Saint-Émilion.
Voilà, pour te situer vraiment précisément là où je suis. Il y a eu la Belgique avec un breaké qui a déjà breaké là tout à l'heure. Je vais faire un retour de micro sur la Belgique. Ok, pour la ville de Waterloo, ben ça passe comme un boulet de canon de mon côté. J'allais dire comme un boulet de carton. Ah, je l'avais pas faite celle-là encore. Ah, ça passe vraiment plein pot là de mon côté. Le signal n'est pas plus fort que Maxime, mais par contre la radio pousse beaucoup plus. Donc j'imagine qu'il y a du bon matériel derrière. C'est oui, ça pousse au niveau modulation derrière. C'est vraiment très cuiro. QSL, il y a la propagation qui est en train de jouer les yo-yo. Et elle est en train de baisser là de ton côté là. Puisque là, si tout à l'heure tu m'arrivais avec un bon Santiago 9 plus, là c'est rendu autour d'un Santiago 5. Voilà. Alors pour le poste, je suis un petit peu surpris, parce que vu la force du micro, je m'attendais plus à un poste dans le genre striker, quelque chose comme ça. Car la modulation est vraiment vraiment percutante. Alors vu que la propague là est en train de chuter là du côté, pour moi là, du côté nord de France, avant de perdre tout le monde, j'ai envoyé les bonnes 73 à tous du nord de France, de la Belgique, voilà, de la part de 14 Kilomike 3301, Rémi, Romeo Kilomike Yankee, QRZ local d'Andy 33 sur le sud-ouest de France à côté de Saint-Émilion. Merci à tous. Et là, on est en train de se perdre. Alors, avant de plus entendre qui que ce soit, je préfère envoyer les 73 de suite et bon QSO de votre côté. Ouais, ça remonte aussi. Ok, ouais, ça remonte un peu, effectivement, mais c'est en train de faire le yo-yo. Ok, on va profiter de la propague. J'ai pas l'habitude de faire des QSO courts. Je vais essayer de m'entraîner un petit peu à ça, là, aujourd'hui, là, pour l'occasion, vu la propague. Je vais naviguer un petit peu partout, là, sur le 27 mégas, dans tous les modes. Merci, à plus, à tous. Rémi, je reprends 73-51 au plaisir pour la ville de Chaumont à côté de la Belgique. Côté amitié, au plaisir de te rencontrer, merci bien pour le QSO au Super Cuero. Bon DX et à bientôt mon ami, salut. Merci, pareil, bon DX, à plus. Merci, 73. Attention, Hervé pour Dandy 33 qui te lance appel. Ouais, la ville de Cambrai, ça passe là, ça passe de mon côté. Bon, c'est assez QRP là, la seconde même, mais ça passe de mon côté. Les 2073-51, la ville de Cambrai, de la part de Dandy 33 du côté de Saint-Émilion, sud-ouest France. Ok, le département 59, il y a une montée à Santiago 7, là, de mon côté, là. Comme quoi, là, ça fait le yo-yo, là, en ce moment même. Et bien, juste avant, j'étais un petit peu plus haut, là, en BLU. J'ai eu les OM de la Belgique, nord de France également, tac.
Et bon, ça commençait à... Je commence à les perdre un petit peu. Ouais, ben ça fait du yo-yo. Du coup, j'ai passé QRT de là-haut pour retenter le coup de ce côté-ci. Je repartirai à nouveau tout à l'heure là-haut. Et je me balade un petit peu partout dans tous les modes, voir un peu comment ce que ça donne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, là, c'est super, hein. Voilà, c'est, je sais pas ce que ça fait là, c'est, ça fait vraiment le yo-yo. C'est pas évident au niveau radio d'arriver à sortir quelqu'un, mais par contre le signal monte. C'est, ça va un petit peu dans tous les sens. Ok, je vais me balader un peu plus loin, voir un petit peu ce que ça donne. Ok, il n'y a plus personne. CQO, CQDX. Appel de 14 kilomètres 3301 qui lance appel et propose un QSY sur le 27 6 2 5. 2 7 6 2 5. C'est parti pour moi. CQO, CQDX. Appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest France, département de la Gironde. Cacophonie qu'il y a d'un seul coup là ici. Les 73-51 tous, parce que là il y a tout le monde qui a parlé en même temps. Les 73-51 tous d'un part de 14 km 3301, opérateur Rémi. Voilà, Dandy 33 sur le sud-ouest France. Pour aujourd'hui, au QRA. Voilà, donc les conditions de trafic de mon côté, c'est un Yazu FT 450 AT. Avec comme antenne une Sigma Mantova 8 qui est pas très haute, juste à 9 mètres de haut. Et côté WX, eh ben c'est un grand beau soleil. Je ne sais pas combien il y a. Si j'aperçois, je crois qu'il y a 29 degrés, quelque chose comme ça, si je vois bien d'ici. Ouais, ça doit tourner autour de ça. Ouais. Voilà, c'est donc là, et puis là, les conditions sont vraiment super, là, côté propagation, c'est vraiment génial. Et justement, là, sur Internet, j'observe un petit peu, là, de temps en temps, et j'ai pas fait de retour de micro, et j'observe un petit peu, là, au niveau activité solaire, hein, ce que ça donne et tout, et ouais, là, ça fait du bien d'entendre les départements français, et Belgique, enfin bon, bref, l'Europe, hachi. Retour, je sais pas à qui, je lance le caillou au milieu, c'est à celui qui l'attrapera. Tac. Hervé, département 62. Hervé. Bonjour Rémi, Hervé, département 62, écoute. Ok Hervé, c'est toi qui as attrapé le caillou, un chi trois coups du département 62, les 73 de Rémi, voilà, département 33 à côté de Saint-Émilion. Très bien encore Rémi, tu arrives dans bonnes conditions, 59 plus 10 dB. Là, ça marche bien. Bien encore là pour les conditions de trafic, c'est changé de ouais, ici, ben, c'est bleu, 23 degrés. C'est rarissime dans le département hein, aussi. Ben, le web situe sur la région de Lens, à peu près 35 km de frontière belge. Voilà, il y a une condition de trafic, un vieux FTD, l'FT, qui marche encore bien, et puis l'aérien, c'est une mono deltaloupe, 10 mètres du sol, fabrication maison. Bonjour Rémi, sur ton micro, 3301, 131, Hervé, écoute. Ok, attends deux secondes. Ok Hervé, voilà, je m'étais un petit peu décalé en fréquence, puisque involontairement, tu as dû certainement toucher un bouton.
Je t'avais un petit peu suivi, là je me suis remis là, sur la fréquence. J'ai cru enclencher le clarifieur là sur le poste, puis en fin de compte, non. Bon, c'est pas grave. Je t'entends, ben, c'est de mon côté, ouais, ça passe vraiment bien. Hein. C'est du coup de ma connerie à papoter, je vais dire, j'ai zappé le report. Reviens-moi, Hervé, là, pour que je te puisse pour que je puisse faire un report. Ouais, puis Rémi. Ouais, Rémi, Hervé qui reprend au Bélocco, hein, je suis désolé. Bah, c'est-à-dire, un tronçonneur, je l'ai mis à hauteur assez haut, quoi. Et de temps à autre, bah, j'ai la tête qui tape dans les foules. C'est ça. Rémi, bah, je te répète, condition de trafic, monol d'Estalo, bah, j'ai l'FT 1000MT, là. Et c'est 60, on a sur ton micro, Rémi, 33-01, 131, Hervé, écoute. Ok Hervé, merci pour le retour. Alors c'est du 57-59. Voilà, la propag fait un petit peu le yo-yo. Elle marche bien l'antenne en tout cas, oui, elle marche bien. Alors c'est vrai que ça m'a déjà traversé l'esprit d'avoir une directive. Puis après je me suis dit, j'ai rien contre, au contraire. Hein, après je me suis dit, vu en plus de ça les conditions où je suis dans une cuvette. Hein. Alors si c'est pour taper dans la colline là, qui est tout autour, c'est c'est pas trop utile. Et puis d'un autre côté, j'aime bien entendre ce qui arrive tout autour. Alors forcément, le but de la directive, c'est d'isoler dans une seule direction. Et je pense que là, pour le coup, je j'userai le... Ah bah c'est, j'ai perdu le nom. Le boîtier là pour tourner l'antenne, je zappe le nom. Je finirai par l'user au bout du compte à tourner dans tous les sens. Et c'est pas plus mal que je sois sur vertical. Moi, je suis sûr d'entendre de tous les côtés. Plus sérieusement, de mon côté, je peux rien mettre de plus de toute façon qu'une verticale. Je peux même pas mettre un pylône. Car j'ai une église classée au monument historique qui est à 70 mètres de QRA. Alors imagine si je mets autre chose que ce que j'ai là en ce moment. D'autant plus que, pour la petite blagounette, l'antenne est quand même peinte couleur vert palombière. Pour la confondre avec les grands peupliers de 30 mètres là, que j'ai là derrière chez moi. Ça ferait pas joli joli sur une directive. Hachi 3 coups, retour. Ça baisse. Ok. Bon, c'est en train de baisser là de mon côté. Là, ça a descendu à un signal de 4. Alors je crois qu'on va pas faire plus long avant de plus pouvoir s'entendre, avant que ça parte vraiment en queue de poisson. Bon, j'aurais bien aimé continuer le QSO, mais là, vu comment ça part, on va se perdre. Les bonnes 13-51 à toi, merci pour ce petit contact. Très content d'avoir eu des départements français là en fréquence. Je continue à voir un petit peu si j'arrive à voir d'autres stations. Sinon, ben, ce sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Hein. Faut savoir se contenter de ce que l'on a. Et ouais, c'est vrai que ça fait plaisir. Ça fait vraiment, vraiment plaisir d'avoir des stations en fréquence. Au point que j'arrive plus à trouver mes mots. Les 73 à toi, merci pour ce petit contact. Mais là, oui, c'est en train de partir, là, tout doucement, là. Et à très bientôt en fréquence, sinon autrement. Merci à toi, bye. Ça baisse. Ouais, c'est descendu à un signal de 3, limite, c'est-à-dire limite du QRM que j'ai de mon côté. Ok, merci, bye. C'est parti. Thank you very much for this fine, fantastic USO.
farming, very good in Germany. Okay, I understand what you Alors, ce qui se passe, c'est que là, pour le coup, la propague, c'est pas qu'elle disparaît, c'est qu'elle amplifie, ou plutôt. Ouais, pour aller plus loin. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 kilomacs, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel sur la fréquence monitor des kilomacs depuis le sud-ouest de France, département de la Gironde. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en fixe depuis le sud-ouest de France, département de Gironde. I know speaking English, sorry, I speak French. Je préférais pas insister parce que je décroche pas un mot d'anglais. Ouais. Alors, est-ce que la propague est retombée ou elle est toujours là? Elle est partie plus loin, la propague. Bon, c'est pas grave. Oui, affirmatif, les 73 à toi de 14 km, 3301 Rémi, voilà, c'est au sud-ouest de France. Eh bien, c'est vraiment un coup de chance, parce que moi, je me balade beaucoup en fréquence. Et je suis revenu sur le 27-325, pile au moment où j'ai entendu 305. Alors, en entendant 305, j'en ai déduit que c'était la fréquence. J'ai subi dessus, j'ai tendu l'oreille, et oui, c'était bien ça. Donc, les 73 de 14 km, 3301, Rémi, Dundee 33, sur le sud-ouest de France, à côté de Saint-Émilion. Oh, tu dois être en mode QRP alors, puisque de mon côté c'est du 44, d'ailleurs je suis actuellement en train de faire une vidéo, c'est du 44-45 même, c'est la radio est bonne, il faut pas que j'ai une montée de QRM, il faut pas que la propague descende davantage, parce que là j'ai un QRM qui tourne autour de 3, là c'est un petit peu délicat de mon côté, mais là pour le moment ça passe très bien. Hein. Oh
Ok, d'accord. Eh bien, ça tombe bien parce que là, dès qu'on aura fini le petit échange, le petit QSO, j'irai travailler la vidéo en vitesse et tu pourras voir ce que ça donne là de mon côté avec les conditions de propag qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire qui ont pas mal baissé là depuis pas longtemps. Parce que là, c'est pareil. Là, j'ai eu la Belgique, j'ai eu d'autres OM du nord de France, j'ai eu tous ces coins-là. Puis petit à petit, paf, c'est descendu, c'est parti. Je viens à l'instant, là, avant de revenir sur le 325, je suis repassé sur le 19, où pareil aussi, j'entendais les stations de Cambrai, toute la partie nord de France, tout ça. Et là, plus rien. Donc là, c'est quand même pas mal. L'antenne marche bien, oui. Puis en plus de ça, qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire des conneries, je sais pas. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Ah, chi! Donc les conditions de trafic, là, de mon côté, je suis là aujourd'hui avec le Yazu FT450AT. Et au niveau de l'antenne, c'est la Sigma Mantova 8. Ah, c'est bien ça, je suis en train de te perdre, ouais, la propague est en train de baisser là. Bon, c'est bien dommage, ça a été bon mais ça a été court. Achille, bon, j'imagine que tu dois encore bien m'entendre de ton côté, du moins je l'espère. Mais là, ça y est, je t'ai perdu. J'ai un QRM de 3 là de mon côté, et puis là, c'est parti dedans, là sur la fin, là j'ai pas du tout eu Roger, j'ai pas du tout eu QSL du message. Bon, c'est pas grave, de toute façon, le contact est validé. Achille, on en reparlera sur le forum, et je crois que je vais pas tarder à me mettre au travail là pour la vidéo. Bon, ça va être encore une bonne grosse vidéo, ça c'est clair, avec les autres stations que j'ai eues là sur le département français de la Belgique. Bon, ben, puisque là la propague est en train de foutre le camp là sur des départements français, je t'envoie les bottes 73. Merci pour le contact, merci d'être présent aussi sur le 27-325. Ça fait vraiment plaisir d'entendre du monde sur la fréquence moniteur Kilomac. Et à très bientôt. Ah, c'est remonté. Là, pour l'instant, la propagande remonte un petit peu légèrement, là, 156 contre en ligne, 163, merci pour le bilan, merci pour la sortie des vivants, et le forum, c'est fuyant. Alors, oui, effectivement, ça a remonté à Santiago 7, et puis paf, tout doucement, c'est parti, et là, t'es dans mes fameux 3 QRM là, t'es descendu dans mes 3 de Santiago, là, que j'ai de mon côté, de QRM. Bon, bref, j'ai dit n'importe quoi, tu débrouille-toi avec ma bouillie, achi. Non, ça, c'est ce qui se passe de mon côté, j'ai l'excitation d'avoir enfin ça fait un petit moment que c'était pas arrivé, les départements français, et l'envie est plus forte que tout le reste. Et je me mélange les neurones qui se croisent dans tous les sens, ça part en cacahuète. Achi, merci pour l'échange, merci pour le QSO 73, à bien et à très vite sur le forum. Il m'a semblé entendre Châteaudun, les 73, la station de Châteaudun, de 14 km, 3301, Rémi, Dandy 33, voilà, sur Sainte-Colombe, à côté de Saint-Émilion, sud-ouest de France. Bah, la propague est partie, là. Oh ouais, c'est parti sur les pays d'Europe. On va confirmer ça.
comment from my side is 300 watts. It's the working condition my side, Lauren. Do you hear that? It's not bad, but for the environment, it works. It works. It works très bien, là. Je ne sais pas quel côté tu es dans le 29. Peut-être du côté de Bénodet, quelque chose comme ça. Là, moi, je connais bien la région. Voilà, je n'ai pas de soucis. Et ben, c'est ici, condition de trafic, je ne sais pas si c'est 2000, c'est 3000, des chalutes, des photons, des centres, de chez Yézou également. Donc, Thierry, il faut. Ouais, c'est parti ailleurs. Bon, au-dessus, c'est pas la peine, et c'est trop près des bandes radio amateurs. Il ne s'agit pas de démoustacher. Zut, j'aurais bien aimé entendre le QTH. Oui, je rends ma feuille, Allemagne. La fréquence moniteur des kilomètres est utilisable dans tous les modes. Vous voyez la radio, ça se pratique pas. Alors ça c'est un petit clin d'œil pour certains, hein, une petite blagounette. Ça se pratique pas que dans un seul mode. Il faut naviguer entre les modes. Aller à la pêche. La condition verte.